You like movies? Very much. Well, I get passes to the best shows in town. Mrs. K, though, you know, she gets tired, you know, never likes to go. It's too bad. Yeah, I hate to go alone. You know, I love to talk, film, you know, discuss, to critique. You want to see a film with me? I got passes to The Crest. It's Othello. Who's in it? Who's in it? Debbie Reynolds, Desdemona, and Othello, Groucho Marx. You happy? I've seen it. Tony. Hi. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Bonne de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. Notre homme est toujours dans la raffinerie. Il n'est pas question qu'il atteigne la plateforme, compris? Alors vous allez vous planquer et lui tirer dessus. Vous verrez beaucoup mieux si vous êtes en hauteur. Attendez une minute. Dispersez-vous. Ça va pas du tout. D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Salut les kids, bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Je ne suis pas Étienne Caloret, mais je suis en compagnie du docteur Moreau. Bonsoir. Salut, Antonin. Kids. Et donc cette émission est une émission particulière, puisque ce n'est pas un double crossover, mais un triple crossover, puisque donc entre Le Cinéma est mort, représenté ici par Antonin, et En attendant Godard, représenté par moi-même, El Commandante, nous avons le plaisir et la joie de recevoir l'équipe de Capture Mag, enfin une partie de l'équipe de Capture Mag, représentée ici par Rafik Djoumi. Bonsoir Rafik. Salut Thomas. Julien Dupuis, bonsoir Julien. Salut. Mais également l'homme de l'ombre, Alain Mercier, dit Alain. À la technique. À la technique. Bonsoir Alain. Salut Thomas. Donc nous sommes très Alain, heureux. Alain, il regarde tout notre matériel et puis il se dit, quelle bande d'amateurs. Petit joueur. Et donc, voilà, donc, parce que vous avez cherché à l'humilier, vous lui avez donné un verre à Alain sur lequel il y a écrit garde à domicile, aide au devoir. Les zouzous. Ça te fait vachement bien au teint. Hein. Oui. Donc voilà, messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes ici à Rennes dans le cadre de la convention cinéphile qui a lieu le 28 avril dernier, en tout cas à l'heure où nous serons diffusés sur les antennes de Canal B. Et donc, vous êtes là pour accompagner à la fois la sortie du nouveau MOOC de Capture Mag, consacré en grande partie, mais pas uniquement, à William Friedkin, et qui sera d'ailleurs accompagné d'une projection de Police Fédérale Los Angeles. Antonin, qu'est-ce que tu peux nous dire de nos invités avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Bah, que je suis déjà mais hyper content de vous recevoir. C'est un truc que j'attends depuis assez longtemps, parce que ça est... Bon, on a décidé, on ne va pas forcément vous servir la soupe en vous faisant votre promo. Vous êtes très fort en communication. Ça y est, la France entière, elle est au courant que vous avez sorti quelque chose. Vous nous bassinez à longueur de podcast avec ça. C'est bon, les gens l'ont tous, ça va. Tous les gens intéressés l'ont acheté. Alors, d'autres choses, on va essayer d'avoir une discussion un petit peu sur, un truc très général, un petit peu sur votre activité de critique, la cinéphilie que vous essayez de défendre.
comprendre comment vous en êtes venu à ça et tout ça. Ouais, ouais, parce que c'est que ce qu'on s'est dit avec Antonin, on allait parler donc du sujet préféré des cinéphiles, qui n'est pas le cinéma, mais la cinéphilie. Exactement, parce que c'est beaucoup plus important de parler de cinéma que de regarder des films. Enfin, en tout cas, c'est 50% du plaisir, ça me rappelle un autre truc, mais voilà. Et moi, je suis d'autant plus content de vous avoir, parce que voilà, moi, je me dis toujours, j'ai été évidemment marqué à fond par des films, et ça reste ce qui est le plus important, mais j'ai été aussi vachement marqué par des plumes, parce que voilà, par des passeurs en cinéphilie, des écrivains de cinéma ou dans des émissions de radio et tout. Et vous faites partie, en tout cas, moi, des gens qui ont été importants pour moi quand vous officiez à Mad Movies. Et j'ai continué à vous suivre, évidemment, dans vos activités actuelles, dans les podcasts de Capture. Mais voilà, quand vous écriviez pour Mad Movies, au tout début des années 2000, me semble-t-il, voilà, je me souviens avoir tombé vraiment sur une activité de critique. Je me dis, ça met des mots sur ce que je pense. Ce que je pense au fond de moi, mais sans arriver vraiment à mettre les mots, ça dégageait un petit peu du concept, ça créait un petit peu des outils critiques, surtout, et puis c'était aussi des plumes critiques qui rencontraient un cinéma qui était en train de changer à cette époque-là, c'est-à-dire que voilà, sur le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire un cinéma populaire et spectaculaire, bah, il se passait vraiment quelque chose d'hyper important à cette période-là, et vous arriviez à le penser et en tout cas à trouver les outils critiques pour vraiment le dire, et ça moi en tout cas ça m'a plutôt nourri dans ma cinéphilie, dans ma façon de parler de films après, donc voilà, j'étais très content pour vous de pouvoir vous rencontrer. Oui, et puis la chose qui nous intéressait aussi, c'est qu'à la fois quand on a pu découvrir vos écrits il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, on va dire, ce qui était intéressant, c'était pas forcément, on va dire, les films vers lesquels ça a pu nous amener, vers, je sais pas, un cinéma asiatique, certains films d'animation, des films spectaculaires, ou des trucs comme ça, mais ça a été, je pense, une partie de notre influence sur... des écrivains de cinéma, on va dire, au sens très large. Après, il y a aussi d'autres penseurs, d'autres écrivains, que ce soit dans des livres théoriques, que ce soit à la fac, mais il y a quand même une partie non négligeable de critiques qu'on a lues quand on avait entre 15 et 20 ans, qui, je pense, ont influé sur la manière dont on peut penser le cinéma et dont on a pu aimer certains films, justement. Et une des choses qu'on voulait, ou sur lesquelles on voulait aussi vous questionner, parce que donc on l'a dit, nous, pour Antonin qui est extrêmement vieux et moi qui suis extrêmement encore frais et jeune, mais donc vous avez pu avoir, on va dire, une certaine forme d'influence. Mais vous, quels auraient été, on va dire, les passeurs, pour reprendre les mots de Serge Danet, en bon cinéphile, qui, on va dire, en tant que penseur ou écrivain du cinéma, a pu vous influencer, ou en tout cas a pu vous amener à vouloir écrire sur le cinéma? Rafik, tu me donnes la parole, Julien. Alors, passeur, passeur, ça englobe plus que les critiques, parce que moi, le premier passeur qui me vient à l'esprit, ce serait Patrick Brion, qui s'occupait du ciné-club de la 3. Du cinéma de minuit. Du cinéma de minuit, sur FR3 à l'époque, et... en ce qui me concerne, ça a été mes premiers pas en cinéphilie, en fait. J'avais un besoin boulimique de bouffer du film dès que les adultes étaient couchés. Et en gros, à minuit, il y avait ça. Donc je me suis tapé des Victor Fleming, plus savoir quoi en faire, quoi. Et même si c'était 2 minutes de présentation au début, il y avait quand même un contexte qui était posé. Je comprenais qu'il y avait une histoire du cinéma à creuser. Après, durant mon adolescence, j'avais effectivement une obsession d'essayer de comprendre qu'est-ce qui me captivait dans le cinéma. J'avais bien compris que c'était pas tant le récit des films, c'était pas tellement les comédiens. Je me dis, il y a autre chose derrière qui me fait réagir comme je réagis, je sais pas ce que c'est. Et du coup, ça m'a mené effectivement vers les théoriciens qui étaient déjà en place à cette époque-là. Je me suis bouffé du Christian Metz et de la sémiologie, des trucs comme ça. Georges Sadoul. C'est ça, voilà. Et je me disais, non, c'est pas ça. Ils sont quand même pas les théoriciens les plus sexy du cinéma. Non, mais c'est surtout que ça me convenait pas. Je trouvais pas mon compte là-dedans. Et c'est marrant parce que celui dont je vais parler a travaillé justement sur Police Fédérale Los Angeles. Un jour, je suis tombé sur une analyse d'une séquence d'Alfred Hitchcock, de Vertigo d'Hitchcock, par un dénommé Jean-François Tarnowski. Donc c'était une analyse plan par plan d'une scène. Et à travers cette analyse, il donnait aucun outil
théorique, a priori. Il ne faisait que décrire ce qu'on avait à l'image, en soulignant l'impossibilité de ce qui se passait dans cette scène. En gros, pour le faire très très vite, il montrait que Hitchcock avait complètement triché avec les perspectives, le décor, etc. Et qu'en fait, il cherchait à travers ça à créer un effet chez le spectateur. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça y est. Le gars, il a mis le doigt sur ce qui me fait gamberger. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est travailler l'image d'une certaine façon que ça fait remonter des émotions en toi. Et finalement, qu'importe d'une certaine manière l'identité du comédien qui est à l'écran, tant que celui qui a fabriqué le film a décidé de faire. Et donc, je parle de Tarkovsky parce que Dans cette série d'analyses qu'il avait faites pour le magazine Starfix, il a fait une analyse de la séquence de poursuite de police fédérale Los Angeles, qui est devenue célèbre auprès des cinéphiles de cette époque-là. Oui. Voilà, c'était 4 pages de photogrammes où il découpait très très précisément chaque plan. Et surtout, il te montrait le génie en action, en fait. Hein, ce que tu ne vois pas en tant que spectateur, mais tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Voilà. Là, il y a un effet, il a fait ça, à tel endroit, la caméra s'arrête, le travelling s'arrête, mais en fait, tu ne sens pas que la caméra s'arrête parce qu'il y a une voiture qui va dans l'autre sens, etc. Bon. Et tout d'un coup, en m'expliquant la vraie fabrication d'un film, concrètement, on me révélait le tour de magie qu'il y avait derrière, quoi. Donc ça a été, voilà, ça, je pense que ça a été mon entrée en cinéphilie. Et Julien, je sais pas. Moi non plus. Non, je sais pas. En plus, je sais pas si je suis vraiment un super critique. Moi, c'est pas. Je sais pas. En fait, alors moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique par rapport à beaucoup de mes confrères, parce que moi, j'ai grandi dans une maison, il n'y avait pas de télévision. C'était pas un choix forcément d'ailleurs de mes parents, c'est juste qu'on n'avait pas l'électricité, donc c'était des conditions un peu rustiques, quoi. Mais par contre, et donc un milieu pauvre, quoi, mais par contre avec un capital culturel un peu plus costaud, quoi, on va dire comme ça. Et moi, les premiers passeurs, c'est eux, en fait, c'est mes parents. C'est mon père, il avait vu, je me rappelle de lui qui me raconte Mad Max 2, qui me parle de Mad Max 2, donc j'ai eu très envie de le voir. Il me parlait de 2001, on m'a beaucoup parlé de 2001, en fait, avant que je le voie, donc c'est un film que j'ai eu beaucoup de films comme ça que j'ai fantasmé, et que je fantasmais aussi en feuilletant quelques magazines. J'ai eu un Starfix, celui avec l'étoffe des héros en couverture, par exemple, très tôt dans ma jeunesse. Et puis le truc aussi, là, par contre, j'étais avantagé par rapport à mes copains, parce que moi, j'ai grandi dans le sud du Loir-et-Cher, donc c'était très difficile d'aller au cinéma. C'était pas aussi simple que si j'avais grandi dans une grande ville comme ici, hein, par exemple, à Rennes, que ce soit à Nantes, à Rennes, ou même à Tours, quoi, pour situer une ville pas très loin de chez moi. Mais par contre, ils m'emmenaient voir des films, quoi. Donc j'ai vu assez très jeune, enfin j'ai vu à sa sortie L'Empire contre-attaque dans des copies pourries, parce que t'avais des copies de merde, quoi. Ça arrivait 2 mois après. Non, mais moi ça m'a provoqué en fait un vrai truc. Quoi. Et par exemple, vous voyez, là, moi je me souviens très bien d'être ressorti de. J'ai vu Tron aussi à sa sortie, on n'était pas beaucoup à avoir vu Tron, quoi, en 82. Et je crois que j'étais le seul, quoi. Et donc, je me souviens très bien. Enfin, j'ai eu un premier déclenchement, en fait, quand j'ai vu le Retour du Jedi, parce que je suis sorti du Retour du Jedi avec ma frangine. On faisait les speeder bikes, là, les trucs. On retournait notre chaise, en fait, puis on faisait comme si on était sur des speeder bikes. Et puis après, moi, j'ai réfléchi, puis j'ai dit à ma mère, mais je voudrais bien devenir acteur. Elle me dit, ah, mais pourquoi mon titi ? Il me surnommait mon titi. Et donc, je lui dis, mais parce que je veux piloter des speeder bikes et tout. Il m'a dit, mais tu sais, pour les acteurs, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus. Des tournages assez ennuyeux, il se passe pas grand chose. Et alors là, j'ai eu un truc, je me suis dit, mais merde, on m'a menti. C'est nul le cinéma. En fait. C'est pas ça. Et du coup, en fait, ça a créé une première curiosité chez moi. Alors, je voyais quand même un peu de temps en temps la télé chez mes grands-parents, des trucs comme ça. Moi, s'il y a un passeur à la télé, pour faire un parallèle au parcours de Rafik, c'est un peu quand même la dernière séance. J'étais gardé parfois par mes grands-parents quand il y avait le mardi soir, quand il y avait la dernière séance. Voilà, moi, j'ai vu quelques trucs qui ont été importants là-bas. J'ai vu, pour moi en tout cas, j'ai vu Jacques le Tueur de Géant, la créature du lac noir, sur une vieille télé noir et blanc. J'ai vu aussi assez jeune King Kong, enfin des trucs comme ça. Puis le cinéma était toujours un peu là. Hein. Moi, j'ai essayé de voir L'Exorciste avec des copains à 7 ans.
trop jeune. J'ai des conseils, j'ai pas vu jusqu'au bout. Pour moi, mais moi je suis insensible. Bon bref, et alors après pour tout ce qui est littérature, moi j'ai commencé à lire des magazines et trucs comme ça parce que je voulais voir des monstres et des explosions et des vaisseaux spatiaux. Hein, basiquement, c'était très basique. Quoi. Ça a pas trop changé. Mais par contre, j'ai eu un journaliste qui a été vraiment un déclencheur pour moi, c'est Yves-Marie Bescon, qui avait une double casquette à Mad Movies, qui faisait à la fois des interviews des grands artistes des effets spéciaux de maquillage et qui faisait aussi des analyses de films. Et c'est pareil, de façon très, très pragmatique. Et je me rappelle notamment, alors si mes souvenirs sont corrects, hein, parce que je n'ai pas préparé du tout cette émission, mais si mes souvenirs sont corrects, non plus, hein. il avait fait une analyse des Enchaînés de Hitchcock. Donc encore Hitchcock, c'est hyper bien Hitchcock, parce que c'est très... logique, ouais, en fait, dans sa démarche, c'est très mathématique, en fait. C'est démonstratif. Et du coup, tu te dis, ah ouais, d'accord, ça marche comme ça. Et je me souviens, du coup, d'avoir réalisé qu'il y avait ce travail sur le champ contre champ dans cette séquence des enchaînés avec une des valeurs de plan qui restait sur un personnage et l'autre, en fait, qui était dans un plan de plus en plus serré. Et ça m'a beaucoup marqué. Puis après, ben, j'ai fait mon chemin habituel en grandissant, pouvant aller de plus en plus au cinéma en prenant mon biclo et en faisant 12 bornes pour voir encore une copie qui brûlait les trois quarts du temps et puis en essayant d'acheter des magazines quand je le pouvais. Par contre, c'était une obsession, quoi. C'est-à-dire que j'avais la chance quand même aussi par rapport à mes copains d'aller assez souvent à Paris. Quand j'allais à Paris, j'allais tout le temps à Cinédoc, je me rappelle au passage Jouffroy, à rue du Colisée, tout ça. Il y avait des boutiques, en fait, de cinéma. Il y avait aussi un beau rayon consacré à ça à la FNAC, et moi je me ruais sur tout ce que je pouvais avec toujours ce double intérêt pour essayer de comprendre comment ça marchait la mise en scène, et puis toujours des trucs un peu sur les effets spéciaux, quoi. C'est un peu plus rudimentaire, quoi. Après, le truc aussi que je voudrais juste rajouter, je vais pas soliloquer trop longtemps, mais le truc aussi qui est hyper important pour moi, en tout cas ce qui a été constituant, c'est que je me suis construit contre aussi très vite. Moi j'ai fait aujourd'hui un bac L avec une option théâtre, parce que c'est pareil, j'avais pas trop de choix, mais en même temps, ça m'intéressait. Je voulais déjà faire des films à ce moment-là. J'ai commencé à bricoler des courts-métrages quand j'avais 10 ans, donc ça remonte à loin, quoi. Et je me disais, bon, j'avais fait beaucoup de théâtre en tant que comédien et tout. Je me disais, c'est pas mal, en fait, de creuser ça, en fait, pour éventuellement plus tard le mettre en pratique. Ça ne me servait à rien, mais c'est pas grave. Mais ce qui était intéressant, c'était de me confronter vis-à-vis de ce qui était la norme à l'époque. Et. Dans les années 90, en tout cas, c'était beaucoup plus dur, je trouve, hein, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en général, quand t'avais... Et ça s'est accentué quand je suis allé à Tours faire mes études supérieures de lettres et tout. Il y avait un cours de cinéma aussi dans ce cadre-là. Il y avait un grand cinéma RSC qui s'appelle les studios aussi là-bas où j'ai contribué à monter des soirées spéciales ou dans des cycles, des trucs comme ça. Et la culture, je crois que c'était Simon qui a appelé ça le triangle des Bermudes, en fait, la culture Caillé, Télérama et alors les Inroc. Il y avait Libé avant les Inroc. Ouais. Les Inroc, moi j'ai vu vraiment émerger ce truc en disant tout à coup, bah merde, ce machin qui met Björk en couverture, ils font aussi de la critique. Ah, mais ils sont très cons. Mais ça a été hyper, hyper formateur parce que moi je me posais beaucoup de questions. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu Starfix aussi et il y a eu Gans et tout, et parfois Gans par exemple, moi, Gans il est hyper fort, je trouve, quand il parle de cinéma il est incroyable. Et je me rappelle quand il y avait eu plein de choses, en fait, qui sont sorties avec Gans, et puis je lisais avidement ses interviews et tout, puis des fois il disait des trucs qui me troublaient énormément. Je me dis merde, mais je pense pas ça, mais comment se fait-ce. Et du coup je me construisais beaucoup contre tout ça, et ça a vachement marqué mon identité, en fait, en me disant mais pourquoi je défends ça, est-ce que je suis vraiment juste intéressé par les monstres, les explosions, les effets et les vaisseaux spatiaux, ou est-ce qu'il y a un peu plus un truc un peu plus comment on construit, en fait, est-ce qu'il y a une logique, en fait, là-dedans, ou je suis juste ce qu'on appellera un geek, quoi, aujourd'hui, et puis voilà, puis tant pis, comme ça, faut s'assumer, quoi. Et je me suis rendu compte que non. Et juste pour terminer aussi, deux trucs, moi, quand même, aussi, qui ont été importants et qui sont arrivés. Alors, l'un qui est arrivé très tôt, c'est le livre de Simon sur Kubrick. Ça, pour moi, ça a été aussi un bouquin. Alors, je comprenais pas tout quand j'ai lu très jeune, je devais être en 6e, 5e. Mais ça a été quand même hyper important pour moi. Et je lisais l'édition avec Barry Lyndon. Donc, le truc aussi qui était dans une médiathèque où j'allais souvent. Et puis, évidemment, le Hitchcock Truffaut aussi, qui a été extrêmement important. Et par contre, c'est vrai que tous les grands classiques de critique cinéma, en fait, quand je m'y suis essayé, j'ai vite abandonné. J'ai bien vite vu que
c'était pas pour moi. Enfin, ça me répondait, ça me correspondait pas. Comment t'as pas parlé du club Conan? Je suis étonné. Bah, moi déjà, je suis le cadet un peu là à cette table. Moi, je suis un peu arrivé dans la cinéphilie, comment dire, par la télé. Voilà, je suis un enfant des années 80, donc tu regardes. Tu découvres le cinéma d'exploitation avec la 5, tu regardes des Bruce Lee avec ton père, enfin voilà, c'était un peu les trucs comme ça, les Bud Spencer et tout. Et puis, en même temps, le matin, tu regardes le Club Dorothée, il y a les animés, le manga, la culture japonaise et tout qui émerge à cette époque. Et en fait, tout doucement, je me retrouve pris dans un espèce de truc entre... voilà, t'as des auteurs comme James Cameron qui sont en train d'émerger. En même temps, tu digères... Tu commences à digérer tes Chevaliers du Zodiac et puis tu commences à aller plus loin, à sortir dans Paris quand t'as ta première carte orange et aller retrouver des mangas en papier, etc. et découvrir des animés, etc. Et du coup, ben, tu croises Akira, tu te prends un peu tout ça et... effectivement, il y a quelque chose, un peu comme le disait Julien, il y a quelque chose qui te prend parce que tu... t'aimes ça. Alors oui, il y a le côté pop, il y a le côté plaisir et spectaculaire qui est là, mais il y a quelque chose de plus, quoi. Et moi, j'ai gardé ce mystère un peu pendant plusieurs années parce que j'ai pas eu une adolescence de cinéphile. Voilà, moi j'allais au cinéma voir ce qui sortait. T'accompagnais pas ton visionnage de lecture non, ou pas du tout. Un truc comme ça, c'était pas du vraiment. Tout. Et plus cinéphage, quoi, vraiment aller voir vraiment les choses. Vraiment cinéphage, c'est ça. Et le seul bouquin que je dévorais, c'était Télé Loisirs. Je cherchais les films de genre qui sortaient pour programmer ma VHS, etc. C'est comme ça que j'ai découvert Robocop et c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie parce que le 1 et le 2. Parce qu'en gros, je passais mes vacances à le regarder. Tu sais, je le regardais au petit déjeuner, quoi. C'est le truc. voilà, c'était. C'est ça. Et donc, j'ai passé mon adolescence comme ça de cinéphage, où je me posais un peu des questions, et puis je commençais à sentir qu'il y avait des films qui me plaisaient moins que d'autres, parce que j'ai réalisé sur le tard qu'en fait, j'affinais mes goûts, quoi. En fait, je commençais à sentir quelque chose, à comprendre quelque chose du cinéma, et j'arrivais pas à le formuler. Et puis un jour, j'ai fait un bac STI, électrotech, voilà, je devais partir un peu là-dedans. Et le jour des inscriptions à la fac, j'ai tout jeté à la poubelle et je me suis dit non, je vais faire une fac de cinéma. Donc j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait des petits courts-métrages de kung-fu avec des copains parce que je pratiquais des arts martiaux et je pratiquais des arts martiaux parce que j'avais envie d'être Van Damme, Bruce Lee, enfin, il y avait toujours ce truc-là. Et donc je réussis à rentrer, à reprendre la fac parce que tu sais quand t'as sauté une année, c'est sur dossier et tout. Et à la fac, donc tu rentres et là tout le monde te parle des cahiers du cinéma, du cinéphage, de synopsis, etc. Tu vois, c'est très élitiste. Toi, t'arrives là un peu comme un prolo avec tes chaussures sales et tu viens dire à tout le monde que ton premier choc cinématographique, c'est le Retour du Jedi parce que c'est le premier Star Wars que j'ai vu. Moi, je les ai vus à l'envers. Je suis de 82, donc voilà, c'était un peu compliqué pour les voir dans l'ordre. Et du coup, on t'impose un peu à la fac, tu vois, à voir ton magazine de cinéma. Donc, moi, j'étais pas du tout attiré par les cahiers à l'époque, par tout ça. Et puis, en rentrant chez moi, je m'arrête au kiosque en attendant mon RER et je tombe sur une critique de Mad Movies de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Et je me dis, mais ce mec, en fait, il vient de mettre les mots sur ce que je viens de voir. Quoi. Sur ce que je viens de voir. C'est toi le responsable, en fait, Rafik. Justement, lui, Rafik raconte souvent qu'il a été menacé de mort. Des centaines de courriers d'insultes. Mais t'as aussi gagné un producteur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est cool, merci. C'était le truc, quoi. Voilà, moi, tu me l'as jamais dit, ça hein. Je crois que je te l'ai déjà dit. Peut-être que t'avais trop bu, je sais pas. Et le truc, c'est que j'ai trouvé ma paroisse, on va dire, ma chapelle, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, l'équipe de Capture Mag qui était à Mad Movies avant, bah voilà, moi c'était un peu mes passeurs et j'ai un peu commencé là-dedans. Puis après j'ai gagné en confiance en fait parce que j'arrivais tout doucement
à acquérir un langage des idées. Et du coup, je me suis permis après de lire d'autres choses avec de la distance ou de l'intérêt ou juste de la curiosité. Mais voilà, moi, ça a un peu démarré comme ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, voilà, quand tu te dis pourquoi est-ce que je préfère, Die Hard 3 à, Piège à grande vitesse, des trucs comme ça. Typiquement, quand tu vas dans un vidéoclub, tu te dis bon, ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose. Enfin, tu t'attends un peu à avoir le même genre de film et tu te demandes en fait pourquoi est-ce qu'il y a une différence. Et... Il y a débat. Hein. Ouais, il y a débat. Chacun ses goûts, bordel. Mais il y a une approche, voilà. Et tout ça, en fait, j'arrivais enfin à trouver. J'avais trouvé des gens qui me comprenaient ou du moins avec lesquels je partageais la même vision du cinéma, la vision, le ressenti, l'appréhension quoi, du cinéma. Ouais. Voilà. Il y a un truc, quand Julien a cité Yves-Marie Lebescon, il y a un truc que je pense qui est intéressant. Julien a parlé de ses origines très modestes. Alain, plutôt modeste aussi, je pense. Moi, c'est un peu particulier parce que je vivais à la Goutte d'Or, donc on est de façon très modeste, mais en même temps, ma mère fréquentait beaucoup d'intello de gauche, prof d'université, etc. Donc il y avait quand même une plus-value culturelle, voilà, une sorte de bourgeoisie culturelle, même si c'était pas financier. Et en fait, Lebescon, comme Tarnowski, il y a un côté no bullshit, en fait, dans leur approche. On n'est pas là pour théoriser, gloser autour c'est des films. C'est plus sur la pratique. C'est comment, vraiment, voilà, comment le film des est fabriqué. Dans le texte, quoi. Voilà, un truc plaisait, concret, finalement, voilà, plus ce qui que me plaisait là-dedans, théorie. C'était que ça faisait office de preuve. Ça, c'est à l'image. Tu le vois, c'est là. Il a fallu que des gens le filment. Il a fallu que ça soit mis en place. Donc, je ne suis pas en train de te raconter des cracks. Mais pourtant, l'image, c'est... Le cinéma, c'est le mensonge... Oui, bien sûr. Mais ce mensonge, il a fallu le créer. Il a fallu réfléchir à la façon de positionner le comédien, etc. Et ce côté no bullshit, j'ai l'impression qu'il est d'une certaine façon assez lié à ses origines modestes. En tant que prolo, on va dire, on n'a pas envie de s'en laisser raconter. Et moi, je sais qu'il m'est arrivé un truc qui, je pense, a eu une influence sur le reste de ma cinéphilie. Ma mère avait l'habitude donc, de fréquenter ce groupe d'intello qui ils aimaient bien se mêler au petit peuple mais ils lui parlaient pas, c'est-à-dire ils allaient à la Goutte d'Or, au marché de la Goutte d'Or, au café, mais ils avaient leur table à eux. Il y avait jamais aucun émigré qui venait à cette table là et un jour ils étaient tous autour de la table en train de parler du rayon vert d'Éric Rohmer. Donc je te laisse imaginer à quel point j'étais fasciné et passionné par le truc, tu vois. Je m'emmerdais comme c'était pas permis et c'est très intéressant la synchronicité. Au comptoir, il y avait deux maghrébins, à mon avis, retraités, ouvriers retraités, qui étaient en train de parler de Boulis Fidira Los Angeles. Et je déconne pas. C'était bien de ce film-là dont ils étaient en train de parler. Et en les écoutant parler, je me disais, c'est marrant parce que si le groupe où je suis entendait ces ouvriers parler de ce film-là, je suis sûr qu'il leur ferait la morale. Je suis sûr qu'il leur dirait, mais comment vous pouvez vous bouffer ces merdes américaines, impérialistes, capitalistes, etc. Là, là. Et d'une certaine façon, une forme d'humiliation symbolique. Alors que les deux ouvriers en question, si on leur parlait d'Éric Rohmer, ils diraient juste, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Donc d'emblée, ça me mettait plus en sympathie avec les abatteurs de Boulis Fédéral Los Angeles. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais... Et si Police Fédérale Los Angeles, c'était le futur classique et pas le rayon vert d'Éric Rohmer? Parce que dans le milieu dans lequel je grandissais, qui était donc un milieu de bourgeoisie culturelle, on portait attention justement au cinéma en tant qu'objet qui dure. Attention, il y a la postérité, voilà, le cinéma dont, ouais, qu'on défend, celui qu'on lit dans Télérama et dans le cinéma et dans les cahiers du cinéma, c'est un cinéma qui est destiné à rester, ouais, là où ces films-là sont des films jetables. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est peut-être pas le cas, en fait. Peut-être que Police Fédérale, ça va rester. Bon, je suis content de constater aujourd'hui que c'est le cas, ouais, vu qu'on va le présenter demain, quoi. Ceci dit, le rayon vert, il reste encore aussi. Mais je pense que ça m'a beaucoup servi, parce que j'étais en pleine construction à l'époque, parce que ces intellos, ils avaient quand même à disposition des outils de réflexion précieux. C'était encore une fois des gens qui savaient réfléchir, qui savaient faire une démonstration, etc. Et donc moi j'ai l'impression par la suite que j'ai utilisé ces outils-là pour les appliquer à Police Fédérale Los Angeles. Mmh. En me disant maintenant, j'irai défendre ces films de merde, ces films qui te font passer pour un crétin,
dans la bonne société, mais avec, en utilisant les outils théoriques et rhétoriques de cette bonne société. Et je pense qu'on a tous été logés à la même enseigne. Julien n'en a pas parlé parce qu'il est humble à ce niveau-là, mais on est quand même régulièrement passé pour des abrutis. Quand on avouait le cinéma qu'on aimait, on passait pour des cons. Et moi, je sais qu'adolescent, les adultes dans mon entourage et une partie des ados me renvoyaient une image très positive. On me disait tout le temps que j'étais intelligent. Donc on félicitait mon intelligence, sauf quand je parlais de cinéma. Dès que je commençais à parler de cinéma, là tout d'un coup j'avais perdu 50 points de QI. Ah, mais tu vois, c'est aussi un peu genre un double discours, c'est que moi je suis fan de Michael Bay, donc on va dire que t'es genre un gros débile beau Faras, et j'adore Jacques Rivette, donc on va dire que je suis genre un snob parce que j'aime un mec qui est moins, un peu moins sexy que. Et au lieu de croire que j'étais effectivement un abruti parce que j'aimais alors à l'époque, ça peut faire rire aujourd'hui, mais ce qui était considéré comme de la sous-merde, hein. J'aimais Cronenberg beaucoup, et donc ça passait vraiment pour de la merde. On était à l'époque de Vidéodrome, les trucs de Paul Verhoeven, etc. Bref. Donc voilà, tu passes pour un abruti parce que tu aimes ce cinéma-là. Si tu as le choix de le croire ou de pas le croire, de dire, mais en fait, le résultat me dit que je suis intelligent, donc peut-être que je suis suffisamment intelligent pour avoir compris que Cronenberg et Verhoeven, c'était pas de la merde, précisément. Donc bon, après, ça demande effectivement une forme de résistance psychique, quoi, pour pas sombrer et pas te dire, non mais en fait, j'ai rien compris du tout. C'est pour l'alcool, hein, c'est pas de... Le cinéma, c'est le rayon vert d'Eric Rohmer. Je peux enchaîner ? Oui, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a eu un truc, alors moi, c'est un truc que je trouve qui s'est un peu plus... qui a un peu plus disparu aujourd'hui pour plein de raisons, mais en tout cas dans les années 90, moi je l'ai ressenti vraiment comme un truc de presque de reflet de lutte des classes, en fait. Ça, c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, quoi. Qui se ressentait à peu près à tous les niveaux, quoi. Alors c'est peut-être moi aussi qui reprojette là-dedans mes complexes sociaux, je sais pas, en fait, hein. Mais c'est, en tout cas, c'est vrai que je l'ai perçu comme ça, en particulier mon fac de lettres, quoi. C'était marrant, en fait, parce que comme moi, mon obsession restait le cinéma, je ramenais toutes ces études, en fait, périphériques, y compris en lettres et tout, à ce que j'aimais du cinéma. Mmh. Et par exemple, quand j'ai étudié Rabelais, ben, Tours oblige, hein, je fais mes études supérieures à Tours, donc forcément, on étudie énormément Rabelais là-bas. Et je voyais, en fait, moi, à mon sens, en fait, j'avais fait un devoir dans ce sens-là où le prof m'avait dit, tu t'es complètement planté, mais ta vision est correcte. Donc, il m'avait mis une note correcte pour ce prof-là qui était très dur, mais en fait, j'ai ramené tout à ça, en fait, et à essayer de me dire, mais voilà, peut-être aussi que ces œuvres-là, en fait, quand elles sont sorties, elles n'ont pas été perçues, et je pense que Rabelais, c'était en partie le cas, hein, d'ailleurs, elles n'étaient pas perçues comme des œuvres, savantes, intellectuelles, recherchées et tout, quoi. Il y a un côté extrêmement trivial de chez Rabelais, très ludique aussi. Et qui, moi, je trouvais, hein, reflétait en partie ce que je défendais au cinéma, quoi. Mais après, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Alors moi, je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression, pareil, pour avoir fait des études de cinéma, que j'étais un petit peu en queue de comète de ce truc-là, où justement, bah, quand tu disais que tu aimais De Palma ou Argento et tout ça, c'était encore pas très bien considéré par, en tout cas, les professeurs à l'université là-dessus. Mais tu sentais que, bon, c'était en train de changer déjà. Tu sentais déjà que tu avais ce truc-là. Mais parce que nous, Antoine, on est plus, on va dire, de la cinéphilie post-Tarantino, justement, où le bis, le kung-fu, le gore a été, on va dire, importé dans le grand public et donc un peu plus accepté, quoi. Bah, et donc, moi, c'est vraiment un truc qui... Et ça devenait des œuvres qu'on pouvait voir à la fac, dont on pouvait faire des masters dessus, des trucs comme ça. Bah, y a eu un changement qui s'est opéré complètement, de toute façon, à la fin des années 90 et des années 2000, où on fait que, voilà, les combats, en tout cas, que vous avez menés, que d'autres ont menés, tout ça, qui sont peut-être en plus assez... peut-être même presque voisins de ceux que menait la génération des cahiers du cinéma quand ils défendaient la série B américaine. Il y avait un petit truc comme ça aussi, d'ennoblissement. En fait, ça ne s'est jamais arrêté, hein, ça se reproduit à chaque génération. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment donner des lettres de noblesse culturelle. C'est marrant, cette lecture de classe, que moi je trouve que c'est assez juste, hein. C'est vraiment donner ennoblir culturellement. Bon, après, c'est la récupération, un petit peu, quelque chose comme ça. Mais le capital ne perd jamais, Antoine. Sur, en tout cas, ce côté ennoblir le caractère, un petit peu l'œuvre populaire,
Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi, parce que je me dis, mais c'est fou à quel point ce combat-là, il est gagné. Moi, je me rappelle avoir interviewé Dionne, il disait, c'est fou, moi, j'ai passé ma vie à défendre tous les cinémas, non pas de contre-culture, mais vraiment de culture un petit peu déconsidérée, en disant que voilà, effectivement, il y a Antonioni, il y a Fellini, il y a Comencini, il y a Vittorio De Sica et tout ça, mais il y a aussi Mario Bava, il y a aussi machin. Et je dis, mais on a fait tout ce combat-là, et maintenant, je me dis, ah putain, fait chier, tout le monde est en train de regarder que les films de Bava, que les films d'Argento. Et en fait, ils n'ont jamais vu un film d'Antonioni, ils n'ont jamais vu un film de Fellini, alors que bah, quand même, c'est mieux, en fait. Quoi. Enfin, c'est ce que Dionne disait. Bah, et ça m'intéresse beaucoup, ce truc-là. La cinéphilie classique, tu sais qu'on avait parlé avec Doug Headline, il disait que justement, tous les gamins vont voir tous les films bis qui existent, tous les films de cannibales, tous les machins qui sont très rigolos. Comme il fait, mais avant de voir tous les films de Lenzi, il faudrait justement peut-être voir, par exemple, les films de Fellini, parce que c'est rigolo, Lenzi, mais c'est quand même vachement moins bien que Fellini, quoi. Et que c'est pas très sérieux. Il y a eu, de toute façon, effectivement, à chaque génération, ces combats. Quand je parlais du Ciné Club des Fers 3, par exemple, les films qui passaient, c'était du John Ford, c'était du Howard Hawks, etc., qui, à mon époque, étaient déjà considérés comme d'énormes classiques. Mais en même temps, on ne te faisait pas mystère que... ils avaient été très déconsidérés au moment de leur, oui. De leur sortie. Donc du coup, moi, ça me rassurait, parce que j'étais évidemment un gros fan de Spielberg quand j'étais gamin, et je voyais bien que dans la presse dite Intello, il passait pour le dernier des derniers. Et donc je me disais, si j'en crois l'histoire, Spielberg finira par être considéré à l'égal de John Ford. Donc je me faisais pas trop de soucis sur cette pérennité-là. Mais par contre, ce que tu dis par rapport à la disparition des grands auteurs. Oui, effectivement, moi, je l'ai constaté à l'époque où, si tu voulais acheter du bis italien, c'était dans des coffrets DVD en VO sous-titré hyper classe qui coûtaient la peau des fesses, alors que les films de Comencini étaient vendus 1 euro sur toutes les braderies. C'est ça, dans les braderies. Et même avec De Proches Amis, j'ai Olivier Desbrosses, avec qui je fais Total Trax, à une époque... il avait une collection incroyable de Chambara, donc il avait du Kenji Misumi en veux-tu, en voilà, tous les baby cars, tous ces trucs-là. Et un jour, je regarde son truc et je lui dis, il n'y a aucun Kobayashi dans ta collection. Et il me dit, je connais pas, c'est quoi je dis, Kobayashi quand même, Harakiri, Rebellion, voilé quoi. Mais Kobayashi, c'est un classique. Oui. C'est un mec dont les films étaient présentés au Festival de Cannes. Il avait été déjà anobli, tellement anobli que plus personne ne considérait le besoin de continuer à le promouvoir. Et du coup, il a été oublié. Et donc, je lui ai prêté... Harakiri, et évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. Le lendemain, il m'a appelé au téléphone en me disant « Mais qu'est-ce que tu m'as montré ? C'est quoi ce film absolument traumatisant ?» Je lui ai dit « Bah ouais, mais c'est un énorme Chambara. Mais ceux qui ont défendu Misumi et Hideo Gosha et les autres ont tellement bien fait leur travail dans les années 90. C'est pas leur faute. Hein, ils ont bien fait leur boulot. Ouais. Et du coup, ce sont devenus les représentants du Chambara au point où Kurosawa et Kobayashi sont passés après presque à la trappe. Quoi. Donc c'est un combat toujours à remettre. Oui, c'est, mais ça, et même, je sais qu'on se posait la question avec Étienne, parce que ce type là à ma droite, là, Thomas, je ne le connais pas, hein, mais voilà, Étienne avec qui je fais le cinéma aimant, mais elle se dit, mais est-ce que, en arrivant à un âge, voilà, on dit on a 40 ans et tout ça, est-ce qu'il y a des trucs à côté duquel on avait l'impression que nos parents passaient, et nous, est-ce qu'on va passer à côté de quelque chose ? Je ne sais pas si c'est une question que vous vous posez de temps en temps, et moi, parce que forcément, je pense qu'on partage aussi une sorte de dépit par rapport à un certain cinéma qu'on a jadis aimé beaucoup, genre le cinéma américain particulièrement, qui traverse une crise qui commence à durer vraiment beaucoup. Mais on se dit toujours, mais peut-être que, est-ce que c'est parce que voilà, je vieillis et puis il y a une certaine forme de cinéma auquel je vais être complètement insensible et qui va être vraiment défendu par des gamins de saison qui vont voir pertinemment que voilà, c'est un truc qui leur parle, c'est un cinéma qui va être à l'heure, qui va leur parler complètement de leur génération et qui va être défendu, qui va être reconnu 15 ans plus tard. Je me suis posé la question. Bon, moi, après, la réponse que je peux trouver, je me dis non, je crois pas, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a ça dans un certain type de cinéma. J'ai pas l'impression que je puisse passer à côté d'un truc parce que aussi, le paysage de la critique a pu changer aussi. C'est-à-dire que on a, dans vos témoignages, ça se voyait aussi, il y avait une raréfaction aussi des discours sur le cinéma étaient rares.
deux cases à la télé, trois magazines. Maintenant, à la limite, tu te dis, si tu peux voir, si tu aimes quelque chose, il suffit de taper le nom du mec et tu vas tomber directement sur cinq vidéos qui vont l'adouber ou de produire du discours dessus, quoi. Mais voilà, c'est, sur ce changement-là aussi, ça me paraît assez... Entre le caractère professionnel, on va dire, de l'exercice de la critique et le fait que ça a été ouvert à absolument tout le monde, où sur YouTube, tu auras 40 000 personnes qui vont parler de tous les films qui sortent, mais quasiment aucun vieux film. Mais ça a du coup aussi changé le paradigme dont on consomme de la critique ou du discours critique sur les films, finalement. Et c'est vrai que ça change entre, on va dire, un milieu qui était, on va dire, professionnel jusqu'au début des années 2000. Mmh. Puis après, c'est l'apparition des blogs, des forums. Et du coup, ça change aussi la relation qu'on peut avoir avec des films ou avec les gens qui écrivent sur les films. Mmh. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous. Ça, c'est indéniable. Moi, j'ai commencé dans le papier à la fin des années 90, là, et comme Rafik, hein, d'ailleurs. Et c'est un milieu que j'ai quasiment entièrement quitté et c'est pas forcément un choix. Enfin, c'est plutôt un choix. Moi, je suis plutôt content d'avoir quitté ça parce que ça me correspondait moins bien. Mais par contre, à la fois, c'est un choix, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins de magazines papier. Tout mais exactement. Là, j'ai passé ma journée, moi, dans les gares, là, aujourd'hui, et j'ai un réflexe pavlovien. En fait, quand je vais dans une gare, je vais au relais H et tout. Ça veut dire que t'es vieux. Et c'est non, mais ce qui est hallucinant, en fait, c'est de. Je cherche, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver le minuscule rayonnage consacré. Au cinéma, qui quoi. Se réduit de plus en plus. Ouais, c'est minuscule, il y a quasiment plus rien. Et alors, c'est accompagné, et c'est là en fait où ça, c'est à mon sens, à mes yeux, un peu problématique par la disparition des passeurs comme Brion, par exemple, dont parlait Rafik tout à l'heure. C'est-à-dire que je sais pas trop ce qu'il y a. Enfin, je regarde pas la télé, mais c'est passé à YouTube en fait. Ouais, il y a plus vraiment des passeurs aujourd'hui sur YouTube. Et pour travailler, vous en êtes. Sauf que sur YouTube, par exemple, il y en a tellement, il y a une pléthore que finalement, il faut trouver ta chapelle. C'est surtout qu'ils parlent tous de la même chose, mais que la télé aussi, tu vois, moi je fais des docs aussi pour Arte et tout. Alors, c'est une super plateforme, je suis hyper heureux d'avoir cette chance-là. Hein. Moi, je ne vais pas du tout cracher dans la soupe parce qu'il y en a très peu, en fait, aujourd'hui, hein, des supports qui te permettent de travailler de cette façon-là. Par contre, si je vais voir Arte et que je leur dis, moi, je voudrais faire un documentaire sur Anthony Mann, je sais pas quoi, un truc, ça va être plus difficile que si je leur dis, j'aurais faire un truc sur, j'allais dire la femme scorpion, ça je suis pas sûr, mais Godzilla par exemple, quoi. On aurait dit ça sur Arte il y a 20 ans. C'était juste l'inverse, en fait. Quoi. Oui. La culture pop est devenue une espèce de culture officielle aujourd'hui. C'est là où je disais tout à l'heure que c'est la culture majoritaire. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Et je pense que c'est énormément appuyé par. Parce que. Ils ont toujours du poids, les cahiers par exemple aujourd'hui, mais ils ont du poids de façon, il me semble, je connais pas leurs chiffres, donc je veux pas non plus dire des âneries, mais je pense de façon un peu artificielle, c'est-à-dire que... Symbolique plus que... C'est ça, c'est-à-dire que moi je pense qu'ils ont aussi du poids, je sais pas ce qu'ils vendent en fait en vrai. Je pense que c'est pas grand chose, hein, vraiment. Symbolique. Moi, déjà, quand j'avais les chiffres, les derniers chiffres que j'ai eus, et c'était très vieux, hein, ça date de plus de 15 ans, c'était misérable. Hein. Et je pense que, par contre, le truc avec les cahiers, c'est que dans n'importe quelle médiathèque de France, ils ont un abonnement en fait, au cahier. Et ça, mine de rien, c'est quand même un trésor de guerre. Ça n'a jamais été vraiment une question de chiffres, hein, parce que là, pour le coup, Mad Movies. A eu une époque où ils étaient dans les 100 000 ventes. Enfin, si, dans les années 90, il y a eu des numéros qui ont littéralement cartonné, quoi. Là où les cahiers, ils plafonnaient. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'en fait, moi, tous les jeunes étudiants et étudiantes à qui j'avais fait affaire, moi, quand j'étais en fac, et qui, pour le coup, s'achetaient tous les cahiers ou positifs ou mieux, quoi. Je sais pas, en fait, s'ils continuent à consommer et à réfléchir au cinéma comme ça. C'est ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est un socle. Pour un magazine comme celui-ci qui est important, quoi. Et je sais pas non plus ce que représente aujourd'hui Télérama. Je sais que Télérama, dans les années 90 et même au début des années 2000, quand ils adoubaient un film, tu pouvais être sûr et certain qu'une salle comme l'Arvor, par exemple, typiquement, tu vois, une salle à RSC comme celle-ci, elle allait avoir tout à coup, en fait, une foule de gens qui allaient arriver dans. Que le masque et la plume, si le dimanche soir il y avait une bonne critique comme le masque et la plume, le lundi. Tu voyais l'effet. Moi, je me souviens au studio, c'était
sûr et certain. Moi, je me rappelle qu'au studio, par exemple, à Tours, tu vois, il mettait la critique de Télérama, en fait. Il l'a photocopié, il l'a scotché, en fait, à côté des affiches ou des choses comme ça, pour faire la promotion de ses films. Moi, j'ai l'impression que ça a complètement disparu, ouais. quoi. Mmh. Et que ça a laissé la place, effectivement, à une culture qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus amateur. Je le dis avec aucune condescendance ou aucun jugement. Hein. C'est juste qu'ils en font, ils en vivent pas, quoi, en général, ces gens-là, et qui s'est déporté, effectivement, sur Internet, mais qui est allé, du coup, effectivement, vers des choses qui sont un peu plus... bis évidente, où t'as des films, enfin je sais pas combien de vidéos tu dois avoir sur les aventures de l'Arche perdue, sûr, ou Seven, ou j'en sais rien, enfin c'est monstrueux. Il y a aussi la question, moi je sais que j'avais pu donner des cours de critique à la fac, puis en pensant au truc, tu dis bah il y a forcément ce truc là où le rapport qu'ont les étudiants principalement avec la critique, c'est bah genre est-ce que ça va te donner envie de voir le film, donc c'est la côté, c'est la prescription, le côté bah est-ce qu'on donne envie de voir le film, est-ce que c'est le rôle de la critique. Et moi je leur disais, mais par provoque, même si je suis pas à 100% d'accord avec même moi ce que je leur disais, je leur disais non, je crois que la critique ou le rôle d'un passeur, c'est pas forcément de donner envie ou pas envie ou je sais pas quoi, c'est de créer un discours sur le film qui va te donner un point d'accroche sur lequel tu vas te positionner, toi ou non, mais en termes de ta pensée sur le truc. Mais à la limite bah moi en tant que cinéphile, où tu dis bah, va tout voir quoi, vois tout, tu veux, si t'as l'occasion de voir un film en salle ou ailleurs, tu le vois tout, et après tu te fais ta petite cartographie mentale, mais c'est pas la prescription, distribuer les bons points, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je me disais, ça c'est le guide conso, et ça c'est bah, là où ça se dirige, chez les étoiles, les agrégateurs de notes et compagnie, c'est pas trop intéressant. Et moi je pense que c'est un peu ce que vous faites quand je vous écoute, je me dis bah voilà, je me dis bah voilà, il y a de la pensée sur les trucs. Moi que ça me donne envie ou pas, j'en ai rien à branler, je vais pas voir les films en général, en tout cas ceux dont vous parlez, mais voilà. Il y avait Alain aussi voulait. Ouais, vas-y Alain. Ouais. Oui, moi ce que j'aurais ajouté là-dessus, c'était que alors déjà il y a une chose qui existe, c'est le crédit culturel. Hein. Je pense qu'on parlait des cahiers, les cahiers Télérama, les Un Rock, Libération, dans l'esprit, dans la culture de beaucoup de familles. C'est des magazines qui sont posés sur la table basse, que les enfants voient et que les parents achètent, et voire même se sont abonnés parce que déjà leurs propres parents... Enfin, ouais, oui, aujourd'hui c'est fini, mais moi c'est marrant, quand j'ai rencontré ma femme, il y a de ça un peu plus de 15 ans, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais en gros, elle était abonnée à Télérama parce que sa mère était abonnée à Télérama, et quand elle allait chez sa grand-mère, elle avait aussi un Télérama. Et leur prisme d'intérêt... sur le cinéma, il découlait de ça. Et souvent, j'allais voir des films avec elle, et on sortait de la salle, elle se faisait chier. Mais pourtant, c'était un film qu'elle avait choisi parce que Télérama l'avait mis en couve. Ah, c'est le dernier Manuel De Vos, tu comprends, patati patata. Donc c'était un peu le petit événement de cette frange de spectateurs. Mais elle n'en avait rien tiré, quoi. Mmh. Et tout doucement, moi, je l'ai aussi amené dans quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle regardait avec plus de distance parce que c'était pas dans ses habitudes. Et voilà. Et c'est de la même façon, je croise des amis qui me parlent de cinéma parce qu'ils disent moi je suis leur cinéphile repère, tu vois. Donc tiens, toi je te vois, faut que je te parle de cinéma, le dernier film que j'ai été voir. On a tous ces problèmes. Ouais, c'est marrant. Et souvent on va te dire ah bah moi j'ai été voir Joker sur les conseils des Un Rock, etc. Et je lui dis mais le film, bon, il était pas terrible. Je fais bah ouais. En même temps, ça, à chaque fois que tu te vois, tu me parles d'un film que t'es allé voir sur le conseil des Un Rock, et tu sors toujours avec la même conclusion. Il y a peut-être quelque chose à, il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus, quoi. Mais moi, encore une fois, honnêtement, je pense que c'est fini, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un exercice qui est hyper intéressant, qui m'a vachement constitué en tant que critique, m'a beaucoup ouvert les yeux. Enfin, j'en ai fait deux. J'ai fait une émission sur Twitch avec une influenceuse qui s'appelle Marie Palot. Et alors, c'était financé par Prime. Hein, je suis désolé. Bon, bref, on fait ce qu'on peut. Il faut vivre. Et en fait, je voyais les réactions du public, en fait, de Marie principalement. Hein, c'est pas moi. Hein,
qui nourrit ce truc-là. Moi, j'ai pas du tout l'aura que Marie a pu avoir sur le net, quoi. Donc j'ai ça, et j'ai aussi depuis cette année aussi, je donne des cours de cinéma dans une école de cinéma. Donc c'est pareil, j'ai des étudiants, ils ont entre 18 et 20 ans, quoi. Et je vois bien aussi, encore une fois, que ces organes de presse-là qui existent et qui sont encore très forts, par exemple, du point de vue des attachés de presse. Je pense que ça, pour les attachés de presse, et même pour les distributeurs, si tu veux, que ces organes de presse-là voient les films, ça reste encore très important. Ouais. Le papier, ça reste très important. Moi, je sais que quand... Pur pouvoir symbolique. Ah, mais clairement, totalement. Mais en fait, quand je donne une demande d'interview, je sais que j'aurais beaucoup plus de chance si je demande une demande d'interview pour du print que pour du web, ce qui est complètement incroyable. Je pense que ces gens-là, en fait, ils sont complètement en décalage avec ce qui se passe réellement. Ouais. Et je vois bien, en fait, la différence entre les élèves que j'ai là, donc aujourd'hui, et ceux que je pouvais fréquenter en faculté, quoi. Ça a complètement, complètement changé. Il y a un autre truc aussi, un prisme à travers lequel, enfin, qu'il faut pas non plus totalement omettre, hein, c'est que on a l'âge qu'on a et les films avec lesquels nous on a grandi, pour lesquels on s'est fait passer pour abrutis, etc. Aujourd'hui, ils ont atteint de toute façon un statut complètement différent, quoi, tu vois. Et c'est vrai que du coup, comme disait Rafik, il y a toujours un truc qui recommence. Je pense qu'il y a toujours des batailles en fait à mener là-dessus qui s'apparentent à ce que nous on pouvait mener à notre époque, quoi. Seulement, ça a changé. C'est plus les mêmes films, c'est plus la même cinéphilie, etc., quoi. Je suis un peu égaré, c'est un peu brouillon cette intervention. Non, tu t'es égaré, mais t'as raccroché les wagons sur ce truc, qui est une vraie interrogation. Je me dis, mais est-ce que je suis vieux et donc je passe à côté d'un truc ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc à côté duquel je passe, quoi ? C'est surtout que le champ de bataille, maintenant, il est beaucoup plus vaste qu'il y a 20 ans, parce que comme t'as accès à tout directement sur toutes les plateformes, en salle, machin, donc finalement, tu sais plus quelle bataille tu dois mener. Tellement il y a de trucs. Il est plus vaste, mais excuse-moi Rafik, il est plus vaste, mais il est aussi refermé, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on est très vite refermé, on est par Internet, les algorithmes, ses propres choix. On s'enferme très vite aussi dans. On s'enferme dedans, puis comme on parlait des différents YouTubeurs ou bien des films qui sont chroniqués, soit ça va être des trucs sur toute l'actu qui sort, ou alors des vidéos ou bien des vidéastes qui sont dans les trucs qui seront très spécialisés. Donc ça va être tout de suite de la niche. Avant d'aller vers un truc peut-être justement un petit peu plus large, quoi. Et donc on navigue entre un truc qui serait très généraliste sur de l'actu et des choses qui seront hyper pointues, et donc finalement on n'a pas forcément l'accroche pour pouvoir lire ce discours, quoi. Il est évident que depuis presque une quinzaine d'années, j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, que c'est plutôt effectivement le net qui mène la barque de la découverte du cinéma. En tout cas, des jeunes qui rentrent en cinéphilie, la plupart se sont fabriqués avec des Karim Debbache, des fossoyeurs de films, des gens comme ça. Dans le meilleur des cas, il y a aussi le pire des cas, voilà, que je ne citerai pas. Et en fait, cette génération qui a grandi avec le téléchargement illégal, ils ont effectivement accès à tout, ce qui n'était pas du tout notre cas non plus. Mais ils sont un peu effrayés, noyés en fait dans le flot. La monstruosité du catalogue. Donc effectivement, je pense pas qu'ils veulent des prescripteurs, déjà, c'est-à-dire des gens qui vont leur dire « va voir ce film parce que tu seras une personne vertueuse si tu as vu ce film ». Ils ont besoin de guides, de gens qui leur disent « ça, ça existe ». Et si ça existe, c'est parce qu'il y a eu ça qui a existé avant. Ouais. Voilà. Mais ça, on en revient au truc du départ. C'est un peu un passeur, c'est un peu le principe. Tu deviens passeur historien, en fait. Moi, je sais que sur Capture, notre réflexe au début, quand on faisait les podcasts réalisateurs, c'était de s'attarder sur des réalisateurs qui, à nos yeux, avaient été maltraités. Pas uniquement insultés, mais sur lesquels personne ne s'était vraiment attardé. Donc, on faisait du Peter Jackson, on faisait du Steven Spielberg, des choses comme ça. Et quand, je ne sais plus si c'est Julien ou Stéphane, a proposé Stanley Kubrick, mon premier réflexe, ça a été de dire, mais le pas du tout, c'est le beau là, on ne va pas faire du Kubrick, il y a déjà des gens qui sont passés avant nous, tout ce boulot est fait. Mais c'était complètement oublié que la génération actuelle, elle n'a pas grandi avec les bouquins de Michel Simon, etc. Du coup, on a fait Kubrick, mais on l'a fait à notre façon, à notre sauce, c'est-à-dire on est quand même, quoi qu'on en dise, on reste d'indécrottables geeks, donc notre rapport au cinéma, il est conditionné par ça, et du coup on a eu, je pense, une approche un peu geekisée de Kubrick. Et quand j'ai vu les commentaires à la suite de ces podcasts, je me suis dit, mais en fait t'étais complètement con d'avoir réagi comme ça. Ces jeunes cinéphiles, ils ont besoin de quelqu'un
qui les accompagne dans la découverte de Kubrick. Et il y avait plein de commentaires de gens qui nous ont dit, littéralement, j'ai découvert les films les uns après les autres au rythme de vos épisodes. Quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'on pense que tout le monde a la même culture que nous, ou bien la même cinéphilie. On se dit, ouais, mais Ford, les gens connaissent, Kubrick, les gens connaissent, Lynch, les gens connaissent, mais en fait... pour les gamins qui ont 20 ans, ils disent, mais non, en fait, c'est le rapport n'est pas le même. Tu vois, c'est un truc qui est vachement intéressant quand même, les audiences de capture. Alain, tu m'arrêtes tout de suite si je me plante, mais ce qui marche le mieux, c'est les longs podcasts, justement. C'est ces trucs. Et moi, ça m'hallucine, en fait, ça. C'est là où je. Moi, les je trucs suis... qui font 9 heures, tu dis noir. Mais c'est ça, c'est surréaliste, quoi. Ils ont trois vieux là, qui sont en train de discuter sur un canapé et tout. Et c'est là, en fait, où on fait les meilleurs scores. Alors, on n'est pas les plus populaires du net, loin s'en faut. Hein. C'est sûr et certain qu'on n'est pas. Mais en même temps. Parce que c'est nous. Ça. Bah voilà. Vous êtes la troisième meilleure émission de cinéma. Mais c'est quand même étonnant, en fait, de se dire. En fait, c'est ça, en fait, qui. Qui, en fait, en tout cas, il y a une partie du public et qui n'est pas minuscule qui recherche ça, quoi. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti moi dans les expériences dont je parlais tout à l'heure, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait, je suis pas du tout. Alors déjà, j'aime pas dire les discours de tout se perd, les machins, etc. Non, ils ont une curiosité, ils ont une volonté en fait le jeune public, en fait, de s'intéresser à tout un tas de trucs incroyables, quoi. Mmh. Et avec des bases qui sont hyper étonnantes, quoi, que j'ai du mal encore à cerner. Qui viennent peut-être, effectivement, du foisonnement, en fait, bien qu'il y a, et du fait que, par exemple, à la télévision, alors déjà, la télé qui est même, enfin, dont l'audimat est en train, enfin, l'impact culturel est en train de s'étioler. Mais nous, on le garde toujours en référence, mais ce qui est une erreur de notre part. C'est clair. Les gamins, évidemment que c'est pas par la télé. Je pense qu'ils ne regardent pas tant que ça. Je sais pas, tu vois, moi, je serais vraiment très curieux, et c'est pas pour les rabaisser ou quoi que ce soit, mais je serais très curieux d'avoir les tranches d'âge, par exemple, des auditeurs aujourd'hui du Masque et la Plume, quand bien même c'est Rebecca Manzoni qui a repris l'émission et qu'elle a essayé de rajeunir ça en ramenant aussi un peu plus de femmes aussi, peut-être, et tout ce qui est bon, ouais. Et du Cercle, par exemple, sur Canal, qui est un des derniers vraies émissions de critiques, etc. Je serais très curieux, en fait, de savoir, parce que j'ai du mal à me dire que ça se passe vraiment là, en fait. Je pense que ça, ce sont des refuges, en fait, pour des gens qui sont plus de notre génération, qui sont un peu plus âgés, etc. Je pense que ça se passe ailleurs, en fait. Que les échanges se passent ailleurs. Mais même Arte, hein. Quand on parle de télévision, moi, de ma petite expérience, on est tout de suite sur du plus de 65 ans. Sauf que non, parce que Arte, en fait, ce qui se passe, ça, pour le coup, je le sais, c'est que la tranche d'âge sur la chaîne, effectivement, est très âgé, mais alors en ligne pas du tout, quoi. Oui. Et justement, ce sont des gens plus jeunes que nous en moyenne, quoi. Je fais une moyenne générale autour de la table, je sais que vous êtes plus jeunes que nous, mais c'est vraiment ils ont plutôt 30 ans dans ces eaux-là, quoi. Un peu moins de 30 ans, quoi. Donc c'est quand même ça aussi, c'est assez différent. Et tu vois, par contre, les audiences à Arte, quand tu passes à l'antenne, sont importantes. Donc, c'est rigolo. En fait, je pense qu'on est vraiment dans un truc de transition qu'on a tous du mal à cerner, quoi. Mais après, moi, je pense, quand j'essaie de réfléchir à ce que c'est le grand changement aussi là-dessus, c'est intéressant que tu dises que voilà, l'audience est différente sur Arte en ligne, Arte plus 7 ou Arte, je sais plus comment ils appellent TV. Ça, ouais, Arte TV, et leur truc de flux, quoi, leur chaîne. C'est qu'effectivement, c'est vraiment, c'est ça la grosse révolution, c'est ce mode de consommation là qui est, moi je pense que on est tous autour de la table à avoir vraiment vécu le cinéma aussi comme rareté, c'est-à-dire d'être un petit peu enchaîné à l'idée de voir ce qu'on pouvait voir, donc c'est tout. Et donc même en matière de discours critique, c'était exactement la même chose. On était enchaîné avec à éplucher la presse et à la recherche peut-être de trucs ou des bibliothèques, à regarder des revues pour essayer de retrouver des trucs. Et donc, c'était des médias qui, en plus, en général, étaient assez généralistes. Moi, je sais que s'il y a un truc où je me dis, où je peux faire le vieux con, c'est que je me dis, c'est le truc de la chaîne de TV, elle a ça d'intéressant, ou du journal généraliste de première, de Calicima, c'est que c'était quand même des généralistes. C'est-à-dire que tu achètes Le Canard, tu fais
feuillettes le truc, tu as beau chercher la critique de John Woo, tu vas tomber sur la critique de Benoît Jacquot, tu vas tomber sur la critique, tu vas savoir que les trucs existent, tu vas pas les lire, mais tu vas savoir le truc. Alors que maintenant, peut-être que c'est, tu vas aller chercher ce qui a, ce qui a, ce qui a suscité tapé, ton intérêt. Tapé, ouais. Et voilà. Donc tu pourrais ne rester que à regarder un truc qui te branche comme ça. Évidemment, on a tous fonctionné comme ça. On est allé chercher des trucs, ça a suscité notre intérêt, on s'est spécialisé ou je sais pas quoi. Et là, là, maintenant, je me dis, bah oui, là, avec le truc d'algorithme, par exemple, si je prends l'analogie avec la musique, si tu écoutes du reggae, tu te mets sur Deezer, tu peux écouter du reggae toute ta vie sans découvrir que ça se trouve, tu as tu écoutes du reggae, Antonin. Faut pas écouter du reggae. Bah non. Antonin, jamais, mais tu fais ton coming out. C'était une vue de l'esprit, Julien. Non, mais cette émission. S'il s'agit de jouer au vieux con, il y a quelque chose qui, du coup, qu'on est en train de perdre. Ah, on va finir cette émission sur une note vieux con. Trop bien. Qu'on est en train de perdre et qui me m'attriste. J'attache une énorme importance à la notion de cinéma populaire. Et qui dit cinéma populaire, dit cinéma de communauté. Pour moi, le cinéma populaire, c'est ce qui rassemble les gens. Et donc, à l'époque où effectivement on était dans la rareté, quand la prisonnière du désert passait une après-midi sur TF1 ou sur France 2, tous les gamins qui avaient rien d'autre à foutre avaient regardé le western. Le lendemain à l'école, tous les gamins parlaient du même film. Et on a tous grandi avec les mêmes films. Donc mes copains, qu'ils soient cinéphiles ou pas, on avait quand même un bagage commun qui, du coup, a commencé à se perdre au tournant des années 2000, justement là où les gens se sont mis à télécharger et où chacun s'est fait sa propre télévision. Ça, pour moi, ça me manque. Le côté « c'est imposé à tout le monde ». La dictature. D'une certaine façon, ça se passe parce que ça fait. Ça existe encore. Enfin, moi, je sais que mes gamins, ils ont encore ça. Mon fils, il a encore ça, hein, clairement. Mais par quel biais, du coup ? Par le biais du succès du moment, que ce soit sur les plateformes, que ce soit au cinéma, etc. Ils ont quand même des trucs où ensemble. Des trucs en fait, fédérateurs. Ah ouais, c'est sûr. Mais sur ce qui est leur communauté de goût. Moi, je raconte une expérience personnelle, je faisais un atelier de critique et puis en fait, ils vont voir des films ici. Et puis ils ont le choix entre les 5 films, ils viennent à 13h, ils vont voir les films. Et puis à un moment, tu avais un film de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Et en fait, c'était des étudiants. Et en fait, il disait, c'est Vincent Lindon, c'est qui ? Il ne savait pas qui c'était. Et en fait, c'est le prochain président de la République. En fait, c'est taré. Est-ce que tu dis, mais oui, en fait, évidemment, quand tu réfléchis, mais ce n'est pas du tout leur culture. Ils étaient des étudiants en cinéma, mais assez jeunes. Mais en fait, tu peux très bien adorer le cinéma et ne pas savoir qui est Vincent Lindon. Mais ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que voilà, genre Vincent Lindon, il faut le connaître ou je ne sais pas quoi, mais ça veut dire que cette culture commune, moi je m'étais fait la réflexion aussi les premières fois que je donnais des cours en disant tu sors des grands noms, genre tu sors Truffaut, Truffaut c'est un peu comme Balzac dans la littérature. C'est-à-dire que tu ne l'as jamais lu, mais tu sais qui c'est, tu connais le nom. Mmh. Mais non, vu que le cinéma ce n'est pas la littérature, il n'y a pas des noms de des noms de rue qui ont des noms de Balzac, de machin, ils ne connaissaient pas spécialement à une certaine époque. Maintenant, ça a un peu changé parce que, par exemple, Truffaut est arrivé sur Netflix. Et en fait, ça a vraiment changé. Moi, j'étais le premier à grogner là-dessus. Mais en fait, le fait que ça arrive sur Netflix, tu dis, Truffaut est connu. Il faut que Truffaut soit sur Netflix. Enfin, c'est important. Moi j'ai un peu... Je penche un peu du côté de Julien, mais je suis quand même conscient qu'on a grandi, nous, à une époque où tout le monde, du petit bébé à la grand-mère, on avait les mêmes canaux d'information. La télévision, la radio, la presse, on voyait les colonnes Maurice, etc. Quand un film sortait, que ce soit Jurassic Park ou L'Amant de Jean-Jacques Hano, et qui étaient des événements de leur époque au moment de leur sortie, tout le monde, toute la famille pouvait en parler parce qu'ils en avaient entendu parler. Aujourd'hui, avec Internet, c'est différent. Mais t'as quand même certains... Ça le fait un peu sur les séries. En fait, je pense que c'est vraiment les séries qui... Enfin, les œuvres qui ont soit de l'argent pour aller atteindre leur cible ou pour parler, soit effectivement qui arrivent petit à petit à creuser leur nid. Sur les dernières années, sur les repas familiaux, Game of Thrones, ça a été que de la série et pas de film. Par exemple, Game of Thrones a réussi l'exploit à une époque où chacun regarde les séries quand il en a envie, en paquet ou épisode par épisode. Game of Thrones a réussi l'exploit à nous remettre à une heure fixe devant la télé pour pas se faire spoiler, quoi. Et donc bon, j'ai
Il y a toujours ouais. Il y a toujours des exemples qui vont contredire qui, après, qui moi, vont ouais, contredire ça. Julien rushing, il secoue mais, la tête. Non mais moi après c'est moi je juste pour resituer le truc je regrette pas ni un modèle et je regrette pas le modèle d'avant et je trouve pas le modèle de maintenant super enfin et inversement c'est voilà. Des observations mais par contre je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est très changeant là-dessus parce qu'effectivement après Game of Thrones on parle quand même du truc très mainstream ça a toujours été le cas voilà l'espace culturel il est dominé par vraiment les grosses machines et compagnie de toute façon Game of Thrones parce que très mainstream mais en même temps non enfin je veux dire quand Game of Thrones a été annoncé c'est la première fois que j'ai lu un article dans Empire, tout le monde s'en foutait. Puis surtout, c'est devenu mainstream, ouais. Évidemment. Mais parce que, voilà, après, ça c'est aussi un autre sujet sur lequel j'aurais bien aimé vous interroger, mais quand même, ce truc-là, ça reste, c'est devenu mainstream et c'est devenu vraiment un événement culturel hyper important où, comme tu disais Alain, ça a mis tout le monde devant son téléviseur à un certain moment, mais ça restait un truc très très majoritaire. Après, ce truc de, par exemple, voilà, quand l'amant de Jean-Jacques Hano sortait et qu'il y avait encore la messe du 20h et qu'il venait, il en parlait, et puis le film a sûrement fait plus d'un million, en tout cas il a dû faire du chiffre, mais c'était un événement culturel où ça se trouve plein de gens savaient ce que c'était mais n'allaient pas le voir parce qu'ils en avaient rien à branler, ou peut-être que si parce que justement il y avait du cul donc ils en avaient quelque chose à branler, mais voilà, il y a un truc comme ça. C'est ça, le simple fait qu'il y avait des questions cinéma dans le Trivial Poursuite se basait sur l'idée que tout le monde avait à peu près le même bagage culturel. J'y joue régulièrement, il y en a toujours. mais je sais pas. Non, puis en plus, les événements comme ça au cinéma, il y en a aussi toujours. Quoi. Moi, je sais que quand Avatar 2 est sorti, c'était un événement dans les classes de mes gamins. Quand ça... est sorti, ça a été un événement aussi dans les classes, quoi. Énorme. Tous les gamins en parlaient. Tout le monde était obsédé par l'idée de ce clown. Et tu sais, papa, en fait, il existe vraiment le clown. il est pas très loin de l'école Joliot-Curie, tout ça. Donc, moi, je pense que tu as toujours ces trucs-là et tout très dominant, mais ça se produit plus de la même façon. C'est-à-dire qu'on est tous exposés, de toute façon, à de la pub, à des trucs qui marchent mieux, etc., quoi. Et pour finir, parce que là on va arriver à la fin de cette émission, il me semble. Ce seront même largement dépassé. C'est ton émission, mec. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Déjà. Okay, de toute façon, après, ça se trouve, je vais devoir monter. Ça va être chiant. Mais on s'en fout. On va mettre ça en ligne. Et puis, comme ça, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter d'un timing. Mais je connais un peu la réponse. Donc, c'est encore des questions à la Antonin qui n'appelle pas de réponse. Mais parce qu'on a sûrement le même truc. C'est-à-dire que voilà, on est. Voilà, moi aussi, c'est pareil. J'ai vraiment un vrai geek qui a. Se disait, mais comment ça se fait qu'en Heroic Fantasy, j'ai que Willow à me mettre sous la dent, qu'en super-héros, j'ai que Darkman et tout ça, et que tu souhaites, t'as souhaité vraiment que ça se développe. Vous, je sais que vous avez été critique, j'en parlais en début d'émission, à un moment où je pense qu'il y a un truc qui s'est joué, qui était génial, qui portait une espérance incroyable entre les Sam Raimi qui étaient à la tête des Spider-Man, de Peter Jackson qui fait les Serzano, d'une période de Spielberg hyper fertile du début des années 2000, où il a commencé à faire La Guerre des Mondes, où Minority Report et tout ça. Donc tout ce type de cinéma spielbergien porté sur le genre de science-fiction, et puis il y avait Shyamalan et compagnie. Là maintenant, on se dit, mais tout ce cinéma que vous avez appelé de vos voeux est advenu. Et c'est de la merde. Non, vous allez répondre de vos crimes. C'est pas vrai. Tu parles d'espoir, mais c'est pas un espoir. Ça s'est produit. Ça s'est produit. Ils existent, ces films, non? Ils sont sortis et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Moi, si tu veux, le truc, c'est que aussi, ça, c'est pareil, c'est que tu peux te dire, ah là là, ça va pas et tout le cinéma. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que ça s'est déporté. Je pense que ce qui est pour nous en plus particulièrement troublant, c'est que il y a une industrie. Tu l'as dit tout à l'heure, qui traverse une crise et une crise sévère. Et je pense que c'est la pire crise qu'ils aient traversée depuis la fin des années 60, c'est les États-Unis. Pour le coup, eux, je pense que le système des studios et tout est vraiment à la peine, quoi. On en a beaucoup parlé avec Capture. Je pense que le fait qu'il n'y ait plus de star system, à part deux, trois exceptions, est encore discutable. Et là, ça va s'accentuer avec tout ce qui est en train de se passer avec les évolutions technologiques et notamment les IA. Ils n'aient plus du tout l'apanage du grand spectacle. Et donc, de par exemple, la capacité de porter à l'écran un univers d'Heroic Fantasy, comme tu en parlais tout à l'heure, ou un comic book ou un truc comme ça, ça ne va pas leur faire du bien, c'est sûr et certain, quoi. Mais
ils ont une, enfin, cette industrie-là nous a prouvé à maintes reprises qu'ils avaient une capacité de résilience qui était exceptionnelle. Donc je sais pas, moi je pense qu'il est temps qu'ils crèvent là. Il est temps, enfin pas qu'il crève, mais qu'il soit vraiment moribond et qu'il y ait un sursaut en fait qui soit en train de se produire. Et je pense que mine de rien, et moi c'est deux films que j'ai pas aimé, hein, mais je pense que le fait que Oppenheimer et Barbie aient été les succès qu'ils ont été l'été dernier, ça donne quand même à l'industrie du cinéma, et puis que Marvel se plante à côté, que DC, alors c'est carrément des catastrophes industrielles et tout, je pense que ça envoie tout ça des signaux qui sont très forts en fait, que Netflix se dise attends, c'est une super production, la méga surproduite à fond et qui se plante toutes les unes après les autres, on va peut-être arrêter un peu et tout. Voilà, c'est je pense que voilà, ça fait partie aussi de, comment dire, l'écosystème, la vie organique en fait du truc du cinéma, quoi. Donc moi je suis pas du tout ni pessimiste ni voilà, je suis comme tout le monde, j'ai eu ma crainte en fait sur le retour des gens par exemple en salle après le tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout. Et en fait, tout de suite, très rapidement après, enfin, c'est pas, je pense que tu pourras peut-être mieux en témoigner que moi, mais ça nous a prouvé exactement l'inverse, quoi. Alors bon, je sais que le début d'année, là, a été un peu tristoun au niveau des exploitants en salle, mais l'année dernière a été vraiment excellente, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est la vie, en fait, et c'est aussi la preuve, quelque part, aussi, bizarrement, de la vivacité du cinéma. Moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé dans le cinéma, c'est que c'était comme s'il y avait encore un truc qui était perpétuellement à construire. J'ai beaucoup moi aimé faire du théâtre. J'ai eu ma grosse période où je m'intéressais beaucoup à la peinture, à la sculpture surtout et tout. Mais j'avais l'impression que c'était, il y avait un glacis un peu plus là-dedans, que c'était un peu plus figé, quoi. Voilà. Et le cinéma, non. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on a tous peur, et ça participe du truc très vieux con aussi qu'on peut entendre souvent. Le cinéma a toujours eu peur de disparaître. Ouais, ça fait partie de lui, en fait. Mmh. Il a toujours eu peur, mais depuis, quand je parle de peur de disparaître, c'est en 1902. 1900, en 1902, quand Georges Méliès est arrivé avec le voyage dans la Lune, les exploitants disaient on était en train de mourir sur nos machines, et Méliès nous a ressuscités, quoi. Donc, ça fait partie aussi de la vivacité, en fait, de cet art. Et ça, c'est vraiment génial, quoi, c'est super. Puis surtout qu'on parle de manière générale de la qualité merdique du cinéma américain depuis 15 ans, mais ça a permis de mettre en relief d'autres cinémas qui sont hyper inventifs, qui sont hyper... L'Inde, de toute façon, depuis 20 ans. Même l'Asie aussi. C'est une folie. L'Amérique du Sud, ils font des trucs incroyables. Ouais, justement, c'est pas pour être dans un truc. L'Italie qui est en train de revenir. Surréaliste, tu vois, j'aurais jamais cru que l'Italie allait revenir, moi. Et puis qui en plus, c'est pas pour être dans un truc snob pour dire oui, il y a un beau cinéma d'auteur qui naît. Ils font des trucs populaires, ils font des trucs qui sont extrêmement généreux, qui sont pas toujours incroyables, mais qui sont bien faits. En France, depuis 4 ou 5 ans, on a un cinéma qui est absolument incroyable avec une vivacité qui franchement fait vraiment plaisir. Donc un petit peu partout dans le monde, ça essaime, ça reprend des couleurs. Le cinéma américain, il est dans la merde, et ben j'aimerais dire très bien, comme ça les autres. Le cinéma hollywoodien, du moins. Oui, ils vont reprendre plus du poil de la bête, probablement aussi en s'inspirant ou en allant piocher sur toutes les cinématographies que tu viens en de allant citer, les piquer à côté là-bas. Ils l'ont toujours fait. Hein. Comme ils l'ont toujours fait. Comme les crédits d'impôt. C'est ça, là-bas. C'est la beauté d'Hollywood, c'est qu'ils arrivent toujours à se renouveler, à reprendre les idées des autres, à les prendre à leur sauce. Donc, au lieu de dire le cinéma est mort, il faudrait dire le cinéma meurt tout le temps. Ouais. Bah, tout ça, ouais. En intitulant notre émission comme ça, on avait évidemment un peu potassé, hein, parce que là-bas c'était une blague, et puis on s'est dit putain, quand tu fais une une émission qui s'appelle comme ça pendant toutes les années 2010, c'est chaud quand même, quoi, parce que c'était pas terrible, mais un peu partout. Mais voilà, en tout cas, merci messieurs. Merci messieurs. C'était super chouette. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Bah, c'est un plaisir, hein, que tu m'aurais pas invité, je serais jamais venu. Merci Antonin, merci Thomas. Petite annonce peut-être quand même, d'ici ce que l'émission soit diffusée pour le 8 mai prochain, le jour de la victoire. C'est hyper important. C'est hyper important. J'ai eu le plaisir, en ma qualité d'exploitant, d'exploiter les forces vives de la cinéphilie rennaise. En attendant Godard, la meilleure émission de cinéma de France, bien évidemment. Du Grand Ouest, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Va donc fêter ses 15 ans. Tu peux y aller, continue. Voilà. Et donc... à la joie de vous proposer Croix de fer de Sam Peckinpah à 20h15, donc le mercredi 8 mai, qui sera donc précédé d'une émission exceptionnelle fleuve de au moins 2 heures sur 15 ans de cinéma de 2008 à 2023. Qu'est-ce qui reste du cinéma et qu'est-ce que nous, on a aimé? Voilà. Et ça va être génial. Évidemment. Et en fait, on était très très contents. C'est un très vieux projet. Puis en plus, on s'est dit, bah, tiens, le 8 mai.
C'est parfait. Le jour de la victoire, voilà. 45, croix de fer. Mais c'est formidable. Quel talent, alors. C'est formidable. Quel talent. Vous allez au défilé et après vous allez à l'Arvor et puis vous voyez des officiers de la Wehrmacht, voilà, perdre. Exactement. Donc merci encore, messieurs. Merci beaucoup. Merci Antoine. Julien, merci Alain, merci Rafik. Merci. Et puis on continue à manger du saucisson. Allez. Ciao, bonsoir. Ciao, des bisous. Hands on top of the locker. Fingers together. Go on, grab the top of the fucking locker. That's right, you're under arrest, moron. Go on, cuff the ape. Don't move. How you doing, pal? Huh? This is from Jimmy Hart from the desert. Remember this? Suck on that for a while. Freeze it up, pal. Jesus Christ. Talk to me, man. Talk to me. Talk to me!